Yo, abosina, today to your back again, live inside BM City. Charlie, c'est bon, boninya to say. The Bomb Show. Then you need to know, so what follows next is bigger than your understanding. The name always been Alhaji Kosa. Live inside BM City. Charlie, finally, the battle has now ended. Mama D. The Guinea corp leader, the military man who set a coup against the Guinea president, Alpha Condé, has now been sworn in as a president for the Republic of Guinea. So now the president for Guinea now is Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya. He is now the president of the Republic of Guinea. He is the boss of the Group Special Force of the Guinea Army. The Mamadi was the boss of the Special Force of Guinea Army, and now he is the president of the Republic of Guinea. So from today forward, Alpha Condé has now been kicked out and he is no more the president of Guinea again. Alpha Condé was the fourth president of Guinea. So he was the fourth president of Guinea from 2010 to 2021. He was born in 4th of March 1938. He's now 83 years of age. He became the president on 21st December 2010, and he was kicked out from the military man of Guinea, Alpha Condé, on 5th September 2021. So this is a small story about Alpha Condé, the president or the then president who was kicked out from his presidential throne. And a lot of people, there's a lot of comment, people were commenting, a lot of people were very happy about Alpha Condé being kicked out from his presidential throne or from being a president of Guinea. And people are very happy about Mamadi being the president of Guinea now. So they said there's a lot of controversy, and the way the Alpha Condé was ruling his government or ruling Guinea, you know, people were not happy about it. He was trying to even change their constitution so that he can become or he can continue his leadership. And you have been on the presidential throne for about 11 good years, Alpha Condé, starting from 2010 up to 2021, 11 good years, and you wanted to become the president again. You are even doing nothing for the country. And so when Mamadi set a coup against him, people are very happy, and now Mamadi has been sworn in. Let's move into the day or the swearing in of Mamadi. Monsieur le Président, je vais vous adresser au peuple de Guinée. Le banc.
président de la Cour suprême, monsieur le président de la Cour des comptes, monsieur le président de la Haute Autorité de la communication, mesdames et messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité en République de Guinée, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle de prestation de serment. Pour m'adresser à cette auguste assemblée et au peuple de Guinée tout entier, pour vous signifier toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour votre présence remarquée à cette cérémonie. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur et l'immensité des échanges qui me sont confiés en ma qualité de président de la transition, chef de l'État. Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion, celle relative à la nécessité d'apporter un changement. En effet, comme vous le savez, la République de Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 un changement politique suite à la prise du pouvoir par l'armée. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. Lors de ma première adresse à la nation, j'ai largement expliqué à l'opinion publique nationale et internationale les motifs à l'origine du changement intervenu et décliné en même temps, les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un Conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres, car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais diviser nos efforts risque de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne, à la réalisation effective des missions
qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre institution judiciaire bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, j'y insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire. De notre pays, ceci dénote l'immensité de la tâche qui attend notre corps judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique, durable au profit de tous. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie.